Bonjour Marc Fleurier et bienvenue dans cette seconde vidéo de la série 7 raisons pour cesser de souffrir. J'ai créé cette série de 7 vidéos pour aider ceux qui souhaitent entrer dans un chemin vers le bonheur et ont du mal à commencer cette démarche. Tout est parti d'une question que je me suis longtemps posée. Pourquoi tant de gens souffrent encore alors qu'il existe des moyens concrets, des moyens véritables, des moyens réels pour être heureux, pour s'épanouir, pour vivre une vie qui a du sens? Comment se fait-il que si peu de gens les emploient? Et vous l'avez vu dans la première vidéo, la première raison pour laquelle les gens n'emploient pas ces moyens, c'est qu'ils ne sont pas au courant, il n'y a pas d'éducation au bonheur, à l'amour, à la joie, à la paix. Donc, dans la première vidéo, la première solution, c'est l'éducation. S'informer qu'il existe ces moyens. Et pourtant, ça ne suffit pas. Des tas de gens sont au courant qu'il existe peut-être des moyens qui leur permettraient de vivre une vie qui leur corresponde tellement mieux, qui leur fait vraiment du bien. Et pourtant, ils ne les utilisent pas. Alors, quelle est la seconde raison qui fait que ces personnes continuent encore et encore à souffrir alors qu'elles ont connaissance de l'existence de ces moyens? Elles ont été un petit peu éduquées, peut-être pas dans les détails, mais elles savent que si elles cherchaient un petit peu, elles trouveraient des réponses concrètes. Pourquoi ne le font-elles pas? Et puis, bien entendu, dans cette vidéo, je vais vous donner aussi mes pistes de solutions. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître quel est le problème, il s'agit de savoir aussi comment passer l'obstacle. Donc aujourd'hui, la deuxième raison pour laquelle tant de gens souffrent et n'entreprennent pas les démarches, c'est l'épuisement. La plupart des gens n'entreprennent pas de démarches vers le bonheur parce qu'ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus l'énergie pour ça. Ils font déjà tellement de choses tout le temps, l'emploi du temps est plein, ils n'ont plus de courage, plus d'énergie. Plein de gens passent la journée à faire un travail qui n'est pas celui dont ils auraient rêvé. Et le soir, ils n'aspirent plus qu'à se mettre devant la télévision et aller se coucher. Il n'y a plus d'énergie. Alors s'ils pensent que une véritable démarche vers le bonheur, il va falloir encore faire des choses et faire des choses et faire des choses, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus l'énergie pour ça. Rien que d'y penser, ils sont fatigués. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Vous pouvez leur parler de tas de choses passionnantes et au moment où vous verriez avec votre enthousiasme, votre amour, ça tombe à plat, ça tombe à plat, ça ne résonne pas, c'est plus vivant. Alors, comment fait-on quand on est dans l'épuisement pour entreprendre une démarche réelle, sérieuse, concrète vers le bonheur, vers la joie, vers qui nous sommes vraiment? Je pars d'un axiome dans cette série 7 raisons pour cesser de souffrir, c'est que le bonheur n'a besoin que d'une seule chose, de votre décision, de décider d'être heureux. Donc comment est-ce possible avec l'épuisement? Eh bien c'est simple, la bonne nouvelle et la raison pour cesser de souffrir, c'est que l'épuisement n'empêche pas d'entreprendre une démarche vers le bonheur. Au contraire, c'est une raison supplémentaire d'entreprendre une démarche pour être heureux. La différence entre quelqu'un qui est plein de vitalité, plein d'énergie pour entreprendre une démarche vers l'éveil, vers le bonheur, c'est qu'il va démarrer comme ça. Et bien, juste quelqu'un qui est épuisé, fatigué, va juste y aller plus doucement, plus progressivement. L'épuisement n'a rien empêché du tout. Maintenant, il y a un autre point qui est important à comprendre. C'est pour quelqu'un qui sait qu'il existe des moyens pour être heureux, mais qui ne connaît pas exactement comment c'est une véritable démarche adaptée à son cas particulier, individualisée, et donc qui part de là où vous en êtes, et c'est pour ça que ça marche à tous les coups, c'est parce que ça prend en compte là où vous en êtes, c'est qu'il est possible d'imaginer qu'une démarche vers le bonheur, ça consiste à faire, en faire plus. Donc quelqu'un d'épuisé
va s'imaginer que ça va lui demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie qu'il n'a plus. Il ne va donc même pas essayer de commencer à faire les premiers pas, même si on lui dit que c'est doucement, ça peut être encore trop. Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'une véritable démarche vers le bonheur laisse une bonne part à, non pas à faire, mais à défaire, non pas aux efforts, mais à relâcher, à se détendre, à apprendre à se relaxer et à jouir de la vie. Donc ce ne sont pas des choses en plus à faire, ce sont au contraire des choses en moins à lâcher, à défaire, et c'est apprendre à se détendre et à se relaxer. Par exemple, savez-vous qu'il existe des approches de méditation, certaines techniques de méditation qui vous permettent en 10 minutes de récupérer l'équivalent de 2 heures de sommeil. Alors, beaucoup de gens épuisés, c'est juste qu'ils ne savent pas se reposer. Donc, dans leur temps de repos, même s'ils ont des nuits à peu près normales, ces nuits ne sont pas très régénérantes. Et bien là, en utilisant le même temps, ils pourraient se reposer beaucoup, beaucoup plus, ou en quelques minutes, retrouver leur énergie. Ce sont des moyens et une démarche sérieuse vers le bonheur, vers l'éveil, pour quelqu'un qui est épuisé, va d'abord proposer ça, va d'abord vous donner les moyens de vous ressourcer, de vous régénérer de l'intérieur, de vous reconnecter à cet élan vital. La reconnexion à l'élan vital, c'est un des points cruciaux d'une démarche pour être vivant. Donc pour quelqu'un qui est épuisé, c'est même la case départ. Pour quelqu'un qui est déjà dans l'énergie, il est possible de travailler sur d'autres niveaux ou sur d'autres plans. Mais réalisez que si vous êtes épuisé, c'est justement une démarche de réalisation de soi dont vous avez besoin et que le premier niveau que vous allez restaurer, c'est gérer mon énergie, me ressourcer. Et ce ne sont pas des choses en plus à faire, ce sont des habitudes qui consomment votre énergie, qui fait que même quand vous croyez que vous reposez, vous ne vous reposez pas ou vous reposez très très peu. Et donc en une heure, vous êtes reposé à 10%, en apprenant à vous relâcher beaucoup plus, vous allez vous reposer trois fois plus dans le même temps. Ce n'est qu'un exemple. Donc vous allez récupérer de l'énergie. Ce message est essentiel, puisque autant pour la première raison, la plupart des gens qui suivent mes vidéos, vu que la première raison c'était l'ignorance, vous n'étiez peut-être pas concerné, mais la plupart des gens, même ceux qui suivent mes vidéos, il y en a quand même une bonne partie qui sont concernés par l'épuisement, et notamment, si ce n'est pas l'épuisement physique, au moins l'épuisement nerveux, l'épuisement intellectuel. Par exemple, tous les gens qui travaillent devant des écrans informatiques, ça provoque aussi un épuisement nerveux. Et donc, vérifiez dans votre cas, vous n'êtes peut-être pas complètement épuisé, mais en ne prenant pas en compte qu'une partie de vous ou qu'à certains moments ou dans certaines circonstances il y a de l'épuisement, alors ça va ralentir et empiéter sur votre démarche pour vous réaliser, pour vous épanouir, si vous ne prenez pas ça en considération. Et moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à mettre dans vos priorités, à la mesure dont vous êtes concerné par ce thème de l'épuisement, des processus de ressourcement, des processus de régénération, des processus de repos, des processus de relaxation, des processus de détente en priorité. Ça, c'est ma recommandation en tant que coach et accompagnateur sur le chemin de l'éveil. Ce n'est pas tout. Je vous dis à très bientôt pour la troisième vidéo. Il y a d'autres obstacles et je vous proposerai des solutions possibles à ces obstacles pour que vous voyez qu'il n'y a vraiment rien vous empêche de vous épanouir et d'être heureux. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur sur votre chemin du bonheur. Ciao !